is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in French. Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delaize. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Les difficultés à plier les genoux, à étendre le bras ou à se pencher le lendemain d'une séance sportive est parfois difficile. Les courbatures ne sont qu'un mauvais cap à passer et le temps s'avère bien souvent le remède le plus efficace. Les courbatures sont définies par le Centre National de Ressources Textuelles Lexicales comme une lassitude accompagnée de douleurs musculaires, généralement dans le dos et les membres. Elle se manifeste à la suite d'un effort physique prolongé, d'une longue immobilité dans une position inconfortable ou lors de la phase initiale de certaines maladies, comme la grippe par exemple. Sur le plan sportif donc, les courbatures surviennent sur... Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 Damary Lélis, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative À propos et nous terminerons avec Philippe Delaize pour l'émission Espérance. À propos, pour éduquer moins bête. À propos, saviez-vous que la promenade en forêt est amusante? Que ce soit pendant les vacances ou les week-ends, il est bon de partir se promener en forêt. Parfois, nous hésitons à le faire en famille avec les petits et les grands. Alors, quels conseils suivre pour en profiter dans la joie et la bonne humeur? Tout d'abord, n'oublions pas que même une balade jugée courte demandera quand même de l'engagement. À propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne, à présent c'est avec Philippe Delaize que nous terminerons pour l'émission Espérance. Cette série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible et nous sommes toujours accompagnés de Philippe Delaize. Bonjour Philippe. Bonjour Gaël. Nous poursuivons donc cette série qui nous permet de découvrir des prophéties de la Bible et depuis quelques émissions, nous avons commencé à attaquer ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, un livre que nous attaquons par le milieu, hein, je le reprécise à nos auditeurs, et nous avions expliqué même... Nous nous apercevons, en tout cas lorsque nous recoupons les textes de la Bible entre eux, que nous pouvons découvrir beaucoup de réponses à des questions que nous pourrions nous poser.
En avançant maintenant sur ce verset 2, nous avons encore cette partie, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Nous sommes toujours dans le symbolisme. Alors, nous avons les mêmes réponses dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 8. Je vous le dis. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Jésus est sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Ceux-ci admirent l'architecture de ce majestueux temple qui est devant eux. Et Jésus leur annonce la destruction. Je vous cite. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Connais-tu l'IEBC ? Non, c'est quoi ? C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout. En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant. Moi, j'ai suivi nos cours au nom de mon ado. Et vous pouvez les découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org. Notre émission est maintenant terminée. C'était la voix des hommes. Sur la Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.